Attention. Attends, t'es un mouton, t'es une chèvre, t'es... Ah, mais qu'est-ce que je m'en fous? Vas-y, continue à commenter mes photos. Mais qu'est-ce que je m'en fous? C'est une dinguerie. Ça me fait galerie de ouf. Pourquoi je vais pleurer? Je vais dire, oh, la pression médiatique, les médias, ça me saoule le cou. Eh, je m'en fous. Je m'en fous, donc allez-y, frère. Mettez même 2000 moutons, 3000 moutons, frère, sur chaque photo jusqu'en 2047, frère. Je m'en fous. Fais juste galerie. Là, la tête d'homme, vous faites galerie. Oh, t'as un suiveur, Nathan? Oh, t'as un Nathan? Eh, vas-y, je suis un suiveur si vous voulez. Vous êtes incroyable. En tout cas, j'espère que l'Empire Noir, tous mes soldats, tout l'Empire passent une bonne journée. Mais je vous que ça me fait vraiment, vraiment rire. Vraiment, vraiment rire. En loup, en esprit, en esprit, en esprit. Le chat, l'Empire Noir. Fin de la supercherité visuelle. Fin, la fin. On m'a dit t'es où? On m'a dit t'es où? C'est carré. C'est carré. C'est carré, y'a rien. C'est carré, c'est carré. Fin du truc. Fin du truc. Endos. My man, my brother from another mother, man. Brother from another mother, man. Of course, man. That's my brother from another mother, man. Excuse me. Like me, man. T'es trop couleur. Alors, comme vous. Puis je jouais le jeu de la télé, le jeu de la télé, de se justifier, de dire ouais, mais non, j'ai fait ça parce que pour vous faire plaisir. Parce que je crois, vous êtes, je crois, soit il y en a, vous n'avez pas de cerveau, soit vous en avez pas trop. C'est simple. Ton gars tous les jours, ton gars que tu parles avec lui tous les jours, c'est ton sang, c'est ton frérot. On se connaît pas depuis cette émission, on en a fait une avant, et on a arrêté de s'appeler, de se voir. Tu rencontres quelqu'un depuis 10 minutes. Ok, si tu veux, vas-y. Il n'y a pas trop de problèmes. Comme j'ai dit, je l'aimais bien au début. Il a et tout. Pas de galère. J'ai pas eu de problème avec lui au bout d'un moment. Pas de galère, comme j'ai dit. Pas de galère. C'est vrai, pas de galère. Une effervescence pour rien parce que regardez, Simon, c'est mon gars. Voilà, vous comprenez que c'est mon gars, pas de... C'est mon vrai gars en dehors de la télé, avant le tournage de RDM, avant Ilan, j'ai connu sur ce tournage, bref. Et même dans ce tournage, je refais tous les épisodes peut-être, ou je sais même plus, j'ai plus l'ordre des épisodes, mais à chaque fois qu'Ilan est seul, moi je parle avec lui. Quand il fallait sortir avec Adixia, les gens ils disent ouais, c'est un charo, c'est un ci, c'est un ça. Et moi j'allais voir Adixia pour le rassurer par rapport à Ilan. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'est vrai. Tout le monde le sait. Si vous voulez, refaites-vous 2-3 épisodes, j'allais. J'allais à la bataille pour lui, pour qu'il dise, tiens, voilà, c'est bon, désamorce, tu vois, il est bien intentionné. C'est peut-être un charreau, mais il est bien intentionné avec toi. Bref. Pas que je dis, ouais, c'est moi, je l'ai fait ou quoi, non, il s'est débrouillé, mais voilà. Tout ça pour dire que je voulais pas être le gars qui croit pas en lui, alors que je voyais qu'il était bien, ça lui mettait des bâtons dans les roues à Ilan. Bref. Sauf un mouton. Je veux dire, pourquoi même Ilan, il le sait. Il le sait parce qu'il y a même un jour où tout le monde était contre lui, tout le monde était contre lui. On était en soirée, on était à la Casbah. On était tous en train de trinquer. Moi, je tourne la tête, je vois Ilan, il est tout seul. Tout seul et tout, il était pas bien, un peu malade, un peu tendu, énervé parce que tout le monde s'acharnait contre lui. J'ai dit, je suis parti avec les autres, je l'ai pris. J'ai dit, vas-y, s'il te plaît, Ilan, viens trinquer avec nous. Même si t'as toute la maison à dos, tranquille. Moi, tu trinques avec nous, tu passes quand même une bonne soirée. Parce que je suis comme ça en vrai. Je suis pas super, je sais même pas si ça a été montré, si ça n'a pas été montré, mais je l'ai fait. Et même pas pour les caméras parce que c'est moi, c'est ma personnalité. Je suis pas un lâche, je suis pas un mouton, je suis pas un... Parce que tout le monde le boycotte, je vais le boycotte. Non, justement. C'est pas parce que Simon, il s'embrouille avec lui. Depuis le début de l'émission, il s'embrouille avec lui, Simon. Et je lui dis, frérot, t'as vu, je m'entends bien avec lui à la base. Je m'entends bien avec Ilan à la base, frérot. Je peux pas venir faire le... Tu vois, même si t'es mon sang, tu vois ce que je veux dire, je peux pas. Je t'appelle mon sang parce que là, dans le game, c'est toi, mon... Mais je peux pas. Je suis pas sur le trône, là. Tous ceux qui croient que je suis en train d'y être, là, je suis dans ma salle de bain. Je suis dans ma salle de bain. Et j'allais dire quoi? Tout simplement, j'ai le bras cassé aussi, la main cassée, bref, n'importe quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que Ilan, entre guillemets, je l'appréciais bien, Simon, voilà, c'est mon sang, comme je l'ai fait le topo. Maintenant, avant cette épreuve-là, je vais voir Ilan, je dis, réconcilie-toi avec Simon. Je vais voir Simon, réconcilie-toi avec Ilan, s'il te plaît. Ça. J'ai fait du ping-pong entre les deux. Après, Simon, il dit oui. Je vais y aller parler maintenant, je suis prêt. Ilan, il me dit, ouais, je veux parler avec lui. En fait, non. Non, je vais pas parler avec lui. Il dit, frérot, t'es plus mature que ça, t'es plus ancien que lui, t'es plus... Allez, Ilan, s'il te plaît, frérot. Je veux que ça se passe bien entre vous deux et tout, etc.
J'ai dit, vas-y, frérot, je pourrais pas jouer indéfiniment entre les deux. Patati, Simon, ça, frérot, va régler les problèmes. En plus, t'as toute la maison qui veut t'éliminer, etc. Et après, Anto aussi, il y avait l'histoire d'Anto, de Jou et tout, etc. Bon, je commence à réfléchir. Je me dis, bon, ça pue. Il me dit, ouais, mais je veux parler, nanana. Après, je dis, va maintenant. Fais la démarche d'eux, t'as vu? Fais la démarche d'eux. Parce que je lui rappelle que Simon, c'est mon gars, quoi qu'il arrive. Je lui dis, c'est mon gars, quoi qu'il arrive. Donc, quand je devrais trancher, je vais trancher pour Simon. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire qu'à l'épreuve, quand je pipe l'épreuve, c'est pas parce que... c'est parce que j'ai laissé l'opportunité à Ilan de faire les choses, d'aller parler avec Simon pour régler les choses. J'ai offert l'opportunité à Simon de s'il te plaît. Il était prêt à le faire pour moi, à régler les problèmes, patati patata. Il était prêt à discuter. À l'épreuve, on apprend qu'il y a une mort subite. Écoutez-moi, mort subite, Simon, il n'en peut plus. Anto, c'est mon gars, voilà, encore plus qu'Ilan. Je le connais depuis un an, j'avais fait mes premiers princes là, en 2019 avec lui, etc. Frérot, gamberger. Donc, t'as ton sang de ton frérot sûr qui est Simon, de l'autre côté, t'as Anto, voilà, que je connais depuis avant toi. Je m'entends bien, que j'ai déjà vu à l'extérieur l'été. Frérot, tu vois, la question elle est vite répondue. Au bout d'un moment, je peux plus rien faire pour toi parce que j'ai essayé d'être le pont. Tu vois, tu veux pas de pont, eh ben tranquille. Moi, je vais retourner du coin de mes collègues. Et c'est comme ça que je tranche. Tu vois, justement, si j'avais été un suiveur, si j'avais été un lâche, ou si j'aurais fait, si j'étais comme tous ceux qui disent là, comme l'autre qui dit je sais pas quoi tout le temps, j'ai des principes et des valeurs et un honneur et un truc alors que il est sans foi ni loi. Une fois après, je sais pas, j'ai pas regardé les épisodes, je regarde pas. Parce que, comme je vous ai dit, tout ce que je vous dis, c'est absolument vrai. Allez faire un question-réponse avec Pierre-Paul Jacques. Ils vont vous le dire. C'est vrai ce que j'ai dit. Et il y a des trucs qui ont été coupés que je contrôle pas parce que même moi, je regarde pas les épisodes. Et même moi, je commente même pas les épisodes. Tellement je prends de distance avec ce programme-là. Mais vous voyez bien que je force pas pour toutes les séquences. Je force pas pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. Donc, quand je quelque chose, c'est que c'est sensé. Moi, je fais que des choses qui ont du sens. Et si vous avez un minimum de sens, eh ben vous pouvez même pas dire le gars c'est un mouton. Parce que ça veut dire que vous, quand vous dites je suis un mouton, c'est ça en fait. Ça veut dire que vous, quand vous allez dans une classe, encore une fois, je vais prendre l'exemple scolaire ou je ne sais quoi, on va prendre même le football. Allez, tu vas dans un groupe de sport. Quand vous rentrez dans un groupe de sport ou dans une entreprise ou que vous croisez des nouveaux gens avec votre meilleur ami, si vous voulez, peut-être dans un groupe de sport, dans une nouvelle entreprise, vous allez bien vous entendre avec quelqu'un qui travaille avec vous parce que le feeling il est passé ou parce que vas-y, j'apprécie de travailler avec lui, boum boum, quand je le vois au travail. C'est pas dire que vous allez boire des verres avec lui, mais quand vous êtes au taf avec lui, vous vous éclatez, tu vois ce que je veux dire? On parle, on rigole de temps. On se déteste pas, c'est bien, tu vois. Mais dans cette entreprise là, vous êtes arrivé avec, je sais pas, votre meilleur ami, votre meilleur copain. C'est à dire que, voilà, je m'entends bien avec avec Francine, mais tu vois ce que je veux dire? Je suis venu avec Brigitte dans l'entreprise parce que Brigitte, voilà, c'est ma gossue. On a fait les mêmes études, on a fait les mêmes classes. On voulait travailler dans cette entreprise, on voulait rentrer chez Google tous les deux, et patati et patata. Brigitte et Francine, elles sont là, vas-y, bon. Elles se chamaillent toutes les deux, elles s'aiment pas. Toi, tu t'aimes bien Brigitte, t'aimes bien Francine. Tu te rappelles que Brigitte, c'est ta meilleure copine. Ouf, voilà. Ouh, fille, allez, entendez-vous, fille, sans déconner. Vous voulez pas vous entendre. Non. Après, bon, tu dis Francine, allez. T'es ancienne dans l'entreprise. L'autre, elle vient d'arriver. Tu vois, essaie d'être un peu plus cool. Non, je sais pas, je vais voir après. Non. Et au bout d'un moment, quand ça va devoir trancher, quand on dit, ouais, c'est comment? C'est qui ta personne de base, même si je m'entends bien avec Francine, et je lui dis devant les yeux à Francine, hey, comme j'ai dit, mon gars c'est Simon, tu vois, quand on va me demander, le chef va me dire, si tu dois choisir quelqu'un qu'il faut virer, c'est qui? Je vais dire, chef, Mago c'est Brigitte, Francine je l'aime bien, mais Mago c'est Brigitte, tu vois ce que je veux dire? Voilà, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc si vous comprenez pas ça, c'est pas de souci. Mais des gens qui sont logiques, qui ont du sens, ils n'ont même pas besoin de comprendre ça. Parce qu'ils savent qu'en vrai, c'est vrai, il a raison, c'est logique.
Vendée de Brest, ils sont bien les gars, ils sont venus ensemble. Nanana. On n'a pas besoin de leur faire un schéma, frère. On n'a pas besoin de leur faire des maths aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Je dois vous faire le théorème de Pythagore pour vous faire comprendre que mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami, lui, c'est un pote. Enfin, c'est ça qu'il faut que ça monte à la tête. Donc vous me dites, tu vois, ça veut dire que vous, on peut pas être ami avec vous. Parce que si vous voyez pas les choses comme ça, ça veut dire que votre amitié avec vos gens, avec tout ce que vous voulez, elle est bancale. Elle est bancale. Elle est bancale. Parce qu'au bout d'un moment, même si tu veux pas, au bout d'un moment, dans la vie, tu es obligé de trancher. Tu vois, même moi, je voulais pas en arriver à là, mais j'ai dû trancher. Parce que, au bout d'un moment, tu as vu, ceux qui n'ont pas de drapeau, tu peux pas être neutre. Tu peux pas être la Suisse. Tu peux pas être neutre dans la vie. Au bout d'un moment, faut avoir un drapeau. Tu viens d'où? T'es quoi? Fin. Tu vois ce que je veux dire? Même si t'essaies, bon, je vais dans ce pays, y a pas de souci, c'est bien. Mais tu viens d'où? Ils ont pas de drapeau, c'est des traîtres. Donc voilà. Comprenez la gamberge et vous verrez que quand vous réfléchissez bien avec tous les éléments, hein, parce qu'il y a du coupage, du montage, du cissage, du sillage, du billage, du. Comprenez la vérité, elle est simple comme bonjour. Bref, à plus tard, l'Empire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis pas trop présent sur les réseaux en ce moment parce que en réalité, il y a des choses que je vois que c'est que ça qui me remontent des mauvais souvenirs et j'ai pas envie de m'agir là-dessus. Il y a une chose que j'ai appris avec le temps, c'est qu'on ne soigne pas le mal par le mal. Donc voilà, c'est pour ça que je dis rien. Après j'ai vu, là vous m'avez tous envoyé la story de Nathan. C'est vrai que Nathan, franchement, avec le recul, c'est un bon gars. C'est juste que, en fait, il a été loyal envers son pote. Donc, en fait, on ne peut pas lui reprocher ça parce que je pense que j'aurais fait la même chose. Maintenant, oui, sur cette action-là, ça a été un mouton sur cette action-là, certes. Mais c'est un bon gars parce que c'est vrai qu'avant, il a souvent été là, même pour m'aider qu'a dit que ça, c'est vrai, je reconnais, on ne le voit pas forcément. Et franchement... Même dans son comportement et tout, c'est un mec hyper passif, il cherche pas trop les problèmes et tout. Il essaie de résoudre un peu quand il y a des tensions. C'est vrai que deux, trois fois, il a été là. Franchement, je vous dis la vérité, Nathan, c'est vrai que c'est un bon gars. Bah, sur cette action-là, ça a été un mouton avec son pote, mais c'est normal, il soutient son pote. Mais en soi, franchement, je vous dis la vérité, c'est ce que je pense, hein. C'est un bon gars. Après, hein, pour ce qui concerne les autres, en vrai de vrai, je vois tout ce qui se dit sur les réseaux, je vois tout ce qui se fait. Vous savez quoi, ça sert à rien en réalité. On va faire qu'on va pas envenimer les choses. Ça sert à rien d'aller les critiquer, ça sert à rien de les tacler. Moi, je sais ce qu'ils ont fait, ils savent ce qu'ils ont fait. Voilà, ça sert à rien de remuer la merde. Et franchement, moi, aujourd'hui, je m'en fous, ça y est, je suis passé à autre chose. C'est juste que là, parfois, quand je vois les images, j'essaie de. C'est relou. J'essaie de pas trop regarder, mais je vois un peu tout passer sur Insta. Mais ça sert à rien d'amplifier les trucs. Ça sert à rien, je veux dire, voilà. C'est vraiment une dinguerie. C'est-à-dire que vous allez... Ouais, vous allez kiffer, je pense. Je raconte mon histoire. Je dirai jamais de nom. Je dis parfois des prénoms, mais jamais de nom. Et parfois, j'en dis pas, mais peut-être on comprend. Je sais pas. Retenez ça. Je sais pas. Pour clôturer ça, tu pourras jamais empêcher les gens d'être jaloux. En fait, t'as vu, parce que c'est comme ça. Hein. Tu pourras jamais empêcher ça. Je sais pas, il y en a, ils ont mon prénom dans leur bouche. Que mon prénom, ils l'ont dans leur bouche. Je sais pas. Moi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je m'en balèque. Je sais pas, fais ta vie, je fais ma vie. Je m'en balèque, frère. Je parle pas de toi. Je suis trop occupé à charrouer des meufs pour aller m'occuper des histoires des autres. Hein. Je vous dis la vérité. Ah ouais. Je pense que peut-être ça doit gêner certaines personnes quand parfois je reposte des trucs. C'est pas moi qui les écris. Et ouais, peut-être c'est gênant, mais fallait réfléchir avant de faire ces actes qui ont été ben, filmés, qui sont à la télé, que tout le monde découvre. Tu vois, tu peux pas dire « Ah ouais, non, ça me fait chier que tu repostes ça. » Mais par contre, moi, à l'époque, t'as vu, bah non, c'est la vie. Tu vois, tu fais des choses à son public, il faut les assumer, c'est tout. Encore une fois, moi, je raconte mon histoire. Elle te plaît pas, c'est pas mon problème, mon frère. Bref, vous comprendrez vraiment dit pourquoi je dis ça. Là, faut que je me motive. Je vais aller au sport. Et merci. La zone. Comment bye, comment bye, comment está, comment tout bien, comment parabéns, comment ben cher, comment tout bien. Non, de vrai, j'ai bien apprécié l'intervention d'Ilan dans le sens où, je vais pleurer sur les réseaux quoi, mais c'est juste que voilà, il a rétabli la vérité. Et voilà. Ça fait plaisir, c'est comme j'ai dit, c'est un bon gars aussi et tout, etc. J'ai jamais craché, c'est juste que voilà.
y a des quiproquos et voilà, c'est des adultes. On est deux personnes qui savent prendre du recul et voilà. J'apprécie. Donc, rien de space, rien de foufou à dire de plus. Pas extrapoler, se gratter un truc dessus, non. Voilà, l'ordre a été rétabli. Voilà, l'église est au milieu du village. Donc, comprendra qui pourra. Et puis, j'arrête. Je vais pas faire de la politique, du communautarisme, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu. Et j'aime bien l'idée d'Empire. L'Empire, c'est vraiment que ce soit solide. Peu, moins nombreux peut-être, mais vaillant.